Bonsoir, bonjour tout le monde. Bienvenue encore une fois sur Chanel Moyen Gaspard Dorélien. Merci pour tout le monde qui est abonné à Chanel ça. Et merci tout le monde qui te like, qui te gardé toute ancienne vidéo. Et merci surtout pour le monde qui gardé comment faire Maggi pour sans pile sel, sans pile graisse, sans produits chimiques là. Je te promets dans une vidéo ça, je vais faire avec nous pat tomat. Haïtien pas manger viande, sauce, couleur blanche, yo aime les sauces qui ont couleur et rouge là. C'est-à-dire nous utilisons pas de tomate en pile en Haïti. Cependant, pas de tomate nous utilisons, pas de tomate industrielle, pas nécessairement veut dire bon tomate. Premier producteur de tomate dans le monde c'est la Chine. Alors que tomate sorti en Amérique, dans le nouveau monde, c'est Christophe Colomb qui était allé avec tomate en Europe. Et puis, Italien a adopté, et puis maintenant, ils tourné, ils mettent dans la question tomate là. Surtout, mon chef, dans les années 1800, fait association entre tomate et pâte. Donc, ça fait Italien a tourné, gros chef là-dedans. Italien fabrique en pile tomate, en pile sauce tomate, en pile coulis de tomate, mais en pile de tomate, tout sorti en Chine. Malheureusement, en Chine, pas de gros restrictions tant qu'on gagne en Europe là, les affaires agriculture. Ils ont utilisé pesticides sans garder derrière. Donc, tomate en pile fois nous joignent qui fait pas de tomate, sorti en Chine, qui pas de gros restrictions. Et tomate, yo subit un paquet de transformations qui viennent rendre tomate là non seulement perdre des vitamines, mais qui ajoute des bagages là-dedans qui pas bon pour santé. Et pas de tomate utilisé à tout gagner préservatif là-dedans qui fait que li pa un produit très naturel. Donc là je dis à nous pas apprendre comment pour nous faire pas de tomate nous sans pas obliger à ni marché ni maquette pour nous acheter pas de tomate industrielle qui détruit santé nous. Donc nous allons montrer nous comment on fait ça rapidement. Donc on suit qui ingrédients on a besoin aujourd'hui pour nous faire pas de tomate nous. Pour faire propre pâte tomate pao, mais ensemble ingrédients on a besoin yo. Premier bagage on a besoin c'est tomate, bien entendu. Là nous gain deux catégories tomates. C'est une façon pour me dire que au café et pâte tomate là n'importe qui tomate. Sauf que éviter tomate qui vête yo avec tomate bon. Non par contre tomber sur des facile mais tomate qui noir yo. Donc cherchez tomate qui plus rouge, qui gain chair rouge. On a besoin yon petit l'huile. Là, nous gagnons 2 cuillères d'huile d'olive. Je vais vous montrer tout à l'heure ça n'a fait avec l'huile. Nous avons besoin d'une cuillère de sel. Et puis là, nous gagnons quelques feuilles de basilic frais. Ou tu mettre des feuilles l'oseille tout. Ou bien tu mettre des thym. Ou bien tu mettre des persil là-dedans comme aromate. Donc, vous mettez sauvelé. Ou bien sauvelé, vous ne pas mettre aromate du tout là-dedans. Vous ne pas mettre aucune feuille là-dedans. Donc pour quantité m'a fait là, c'est 2 ou 3 feuilles m'gain pour lui. On a besoin d'un robot ou bien d'un food processor ou bien sous pas gain ou qu'a utiliser un blender normal. Voilà, ou pas besoin plus pour faire pâte tomate. Nous parti pour exécution recette là. Il y a plusieurs façons au café et pâte tomate là. Sous vlo cap juste prendre Jean lié là ou bouillir après ça ou couler pour faire processus là. Moi m'utilise une méthode qui pral faut pas besoin d'en couler et tomate là, ce jus tomate ou joindre ou pas besoin ou pas prendre affaire avec graines encore. Alors méthode la simple, de mettre on de l'eau bouillie. OK? Mettez des fois qu'on y a dans de l'eau chaud ça. Je vais juste ajouter les tomates. Ok? Maintenant, m'a quitté pendant 5 minutes dans de l'eau ça là. Ça va le bon comme effet la permettre moi caler tomate la retirer pour tomate là. Donc ça a pépanier gros travail pour me t'a obligé à le couler jus tomate là et dans processus moi. Donc l'aime fin mettre le tremper là, on va juste retirer pour tomate là dedans. Voilà, n'a quitté là pendant 5 minutes. Après ça, n'a retiré pour nous caler tomate là. OK, après une fin quitter tomate là trempé dans de l'eau chaude. Maintenant, n'a retiré pour qu'on a retiré pour yo. Processus ça c'est pour permettre de retirer et pour tomate là plus facile. Mais si vous voulez tout, dès qu'à juste bouillir tomate là ou bien on mettez le cuit dans four. Comme ça, sont pas très tirés pour eux. Mais leur passé par procéder ça, lié par et obligation qu'on y a pour couler tomate là dans passoire, bon pour passer le toile fin et pour retirer et pour eux. Mais nous allons tout retirer pour eux ensemble avec pépin yo, ou bien graines ou bien seed, je dis en anglais, tomate là. Il faut quitter le fret un moment, après ça nous allons retirer pour yo, retirer tête en les tomates là, ensemble avec graines et puis nous allons mettre dans un plateau pour nous mettre le cuit en bas fou. Souvent tu as bouillir, mais le mettre le cuit en bas fou ou pas utiliser de l'eau, la cuite avec un aspect plus foncé et couleur rouge à plus renforcée que sous bouillir, les gens pas besoin d'utiliser de l'eau non plus. Donc et tomates là, justement pas de tomates là besoin. Ou besoin consistant chez tomate là sans de l'eau. OK, quand y a tomate nous yo plus ou moins frette. OK, nous carrément nous allons faire deux opérations. Nous allons retirer poids, ensuite nous allons retirer graines tomate là, nous allons déposer tomate noire dans plateau ça, nous allons mettre dans four. Four là, tu as préchauffé à 200 degrés. Tu as gagné à peu près 10 minutes mais faut préchauffer l'environ pendant 15 minutes. Ensuite, nous allons mettre tomate là cuite en bas four. Si vous voulez bouillir, mais vous mettez en bas four ou pas prendre affaire avec de l'eau. Vous avez moins de l'eau, OK? Et puis tomate là a conservé et couleur rouge là plus l'on mettez en bas four que l'eau bouille. Mais si vous voulez bouillir. Ou bien si vous voulez tout juste retirer pour arrêter grenade pour mettre directement dans food processor bien dans robot bien dans blender. Moi-même, un pito cuite li en bas. OK, pour qu'à bail tomate là encore plus consistance dans couleur rouge là. Nous parti. Premier bagage n'a fait. OK, n'a coupé tomate là en deux. OK. Et puis avec une petite cuillère, nous allons retirer toute graine et puis n'a tout profiter retirer de l'eau parce que tomate là et il engorgé d'eau, il prend un pile de l'eau pendant de mettre le trempé dans de l'eau bouillie. OK, on va tout l'eau qui la sorti là dedans la petite graine yo on arrange pour retirer toute graine yo. Fais attention à processus ça parce que nous pas pas couler tomate là après donc faut retirer toute graine yo. OK, graine yo sorti là. Maintenant, on a juste retiré pour eux bien facilement. OK, mais avant, nous mettons dans le plateau. Je mettais un petit l'huile, je vais graisser le plateau tout petit pour éviter les tomates là coller dans le plateau. OK, c'est chez tomate qu'on prend, on mettez dans le plateau pour retirer. Et puis tête en laisse ça, on retire le tout. On fait même bagarre là encore. On retire pour là. Ensuite, on retire graines avec une cuillère. Sous te vle tout, ou te ka retire et grain couper l'avant, retire grain tomate yo avant ou te mettel et ou te vider de l'eau chaude sous l'ia ou on te mettel trempé dans de l'eau chaude pour te ka retirer pour. Te ka mettel dans four sans grain yo et puis l'aile sorti dans four retirer pour. Donc ou te gen choix pour te procéder comme ça tout. Voilà. Et puis déposer chè tomate là dans bol. Et quand on a fini de tirer graines tomate yo avec tête tomate là, pot tomate là, nous allons mettre dans le four que nous t'ai quitté à chauffer pendant 15 minutes. Nous allons quitter pendant entre 12 à 15 minutes encore en dedans four pour tomate là cuite. 15 minutes la fin passé pour nous là. La petite fois. Bon, la fond quitter le fret parce que le chaud en pile. Nous allons mettre dans le food processeur. Quand on a metté tomate là dans le food processeur, mais c'est une blende de café, ça ne va faire là dans yon blender. Vous pouvez utiliser un mixeur plongeur, nos récipients et puis nous juste mixer. Qu'on a nous réduit tomate là en pâte. Et puis après sa pâte ça nous allons mettre réduit dans du feu. Voilà. Nous fin réduit tomate noyo en pâte. Nous allons mettre dans une casserole pour nous réduire. Voilà, je ne vais garder là. Ouais. Ouais. Tomate noyo réduit en pâte déjà. On va juste mettre dans la chaudière comme ça. Ouais, 9 tomates noires, mais ça seulement le bail. Si on fait pour nous conserver, pour nous plein plusieurs bocals, et faut nous faire mettre plus, vraiment plus tomates. Maintenant, ça n'a fait. On va ajouter un petit crasse dans l'huile nous gagné là-dedans tout petit. OK, reste l'huile là, nous quitter le boubita. Et puis feuille basilic là, on va ajouter feuille basilic yo. J'aime dire non, tu peux mettre feuille laurier ou bien tu peux mettre persil ou bien tu peux mettre coriandre. OK. Kounya là, on va juste boisser ça là comme ça jusqu'à ce que les réduit les bords aspect puis rouge et puis aspect puis solide là puis pâte là. Voilà, donc on a quitté ça réduit à feu doux, on a fond quitté là pour première 15 minutes, mais de temps en temps on a venu pour nous boisser. J'en ai regardé là pâte noire vraiment réduit. OK. Qu'on y a là, ça n'a fait, n'a pas ajouté si celle-là. OK. Donc celle-là, c'est pour plus pour conserver et pâte là. OK, la pédale durer plus longtemps. Mais souvent manger celle, on ne doit pas mettre celle-là là-dedans. Sinon la tomate là qu'a conservé jusqu'à 2 ans. Si bocal nous mettez là, nous stériliser. Si l'en fini, nous pasteuriser, je nous vais regarder ça dans la fin là. Et puis nous ajouter sel dans pâte là pendant la fête là ou bien bon, si pas manger sel, on ne va pas mettre sel, mais celle là aider le conserver plus. Et puis l'eau fini, on pourra le pasteuriser et bocal là à toute tomate là la donne, nous va montrer ça dans la fin. Alors, une bonne façon qu'à conserver tout ce qui était dans le frigidaire. OK, depuis ou fin ouvrir, quitter le dans frigidaire, mettre le dans frigidaire, ou bien même s'il pas dans frigidaire, il a toujours faire en pile temps. Entre 6 mois à 8 mois, si pas conserver dans frigidaire, mais si conserver dans frigidaire, il a été jusqu'à 2 ans. OK, maintenant pendant pas nous après réduit toujours, n'a quitté le réduit toujours. Nous allons faire l'autre bagage qui est important dans le processus conservation pâte tomate là. C'est stérilisation et récipient pour le mettre là, bocal. Donc, l'important pour que bocal nous va le mettre yo stérilisé. Donc, c'est juste mettre de l'eau bouillie et puis mettre bocal là-dedans bouillie pendant 10-15 minutes et puis c'est tout. OK, ça c'est une première façon pour nous bien conserver pâte tomate là pour que pas gagne aucune bactérie qui pousse ou bien qui grandit dans le bocal là avec pâte tomate là. Donc à constater là, pâte tomate non fin évaporée net, toute l'eau fin séchée, on a retiré feuille basilic nous te mettez là dedans. Bocal nous fin stérilisé. OK, on a retiré yo. Pâte tomate nous en pratiquement paré. Maintenant nous allons mettre dans le bocal là. Alors, gon bagaille pour nous faire, on va mettre dans le bocal là pour qu'à encore conserver pâte tomate là. Pâte tomate là, on mettre dans le bocal, non récipient ou quitter le dehors, les cas et champignons qui lever, bactéries qui venir. Donc soit fait, ou ajouter dans bout de bocal là quelques gouttes citron. OK? Mais pour plein en bas des bocal là. Ensuite, on a juste mettez pas de tomate là. Fini, remplir là, c'est qu'on va l'utiliser reste l'huile d'équité. On va vider reste l'huile d'olive là sous tête li. Là encore, c'est pour aider pâte tomate là conserver rikembe toute fraîcheur. OK, on vide l'en tête li. Maintenant, on bouche bien bouché. On va bien fermé. Maintenant, pour faire pour encore conserver pâte tomate là et pour empêcher bactéries pousser la donne, c'est bouillon de l'eau pour ne pas même quitter le bouillonnette, arriver à 97 degrés, c'est ça relais pasteurisation. Tête en bas, OK, on mettez bocal là dans de l'eau. OK, on quitte dans de l'eau pendant 5 minutes. Après 5 minutes, on va retirer et bocal là, on va camper cuisson parce que quelque part la cuite dans de l'eau et pour le mettre dans de l'eau froide pour camper processus pasteurisation, pas de l'eau fraîche. OK? La bretelle bocal là qu'on a. Et puis, on mettez le nom de l'eau fraîche. Comme ça, on campe le processus là tout de suite. De l'eau, ça, sont de l'eau fraîche. Nous avons ajouté quelques glaçons là-dedans pour nous assurer que sont de l'eau qui est bon, j'en fraîche là. Voilà. Nous, elle était très simple pour réaliser nous-mêmes propre pâte tomate par. Même je t'ai montré comment réaliser ma guilla, nous et faire démonstration pour pâte tomate là. Nous venons avec sauce tomate, nous venons avec coulis de tomate, nous venons avec sauce tomate pour pizza, nous venons avec un paquet bagaille qu'on a habitué à acheter qui est plein de produits chimiques, qui est plein de bagaille pour conserver, qu'on a là au café ou même. Do it yourself, c'est la meilleure façon pour faire des bagailles pour manger ou assurer de fraîcheur produit, de qualité produit et puis ou pas gain qu'un produit chimique. Pâte tomate, même jamagui, industriel là, sont mauvais bagailles pour santé. Maintenant, on peut toujours continuer à manger avec bon goût maggi qu'on fait ou même ou bien que bouillon qu'on fait ou même jantou, on peut faire pâte tomate ou même. Donc, merci un pile parce que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci parce que vous avez liké. Si vous avez une suggestion, vous pouvez toujours mettre en commentaire pour nous. Et moi, je vais vous demander une faveur. Moun qui des caméras, les Carla Leonan, mes liens page d'IA là, cliquez sur lui, al bal même affection bon moyen. Parce que si vidéo ça fait, c'est grâce à lui. À bientôt pour une autre vidéo recette haïtienne.